Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment déconnecter ton compte Google Scholar d'un iPad. Donc, première des choses, tu dois accéder à une des applications Google sur ton appareil mobile. Donc, par exemple, si je choisis Google Classroom. On remarque ici dans le coin à droite que je suis connecté avec mon compte scolaire. Donc, je vais cliquer sur mon avatar ici et je vais aller gérer les comptes de cet appareil. Ensuite, je vais supprimer mon compte, supprimer de cet appareil. Je confirme « Supprimer ». Donc, vous ne perdrez aucune donnée, simplement que votre compte ne sera plus connecté sur l'iPad. Donc, si on regarde, ici, je vais accéder à Google Disk. Vous allez voir que je n'ai plus accès à ce compte ici. Donc, on ne le voit plus dans aucune des applications Google. Une fois que tu as déconnecté les applications Google du iPad que tu utilises, il faut maintenant aller dans Safari si tu as complété, par exemple, un formulaire en ligne. Donc, l'application Safari, qui est le navigateur ici qui a été utilisé pour compléter le formulaire. Donc, une fois que je suis dans Safari, je vais sur le site de Google. Une fois que je suis sur le site de Google, je vais cliquer sur mon avatar ici dans le coin droit. Puis, je vais choisir l'option Déconnexion ici. Je patiente quelques secondes. Et voilà, mon compte est bien déconnecté.